à tous, c'est Zana et on se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode avec notre ami Guybrush. Et donc, la dernière fois, on s'était arrêté ici, enfin, devant les squelettes pour la chanson de l'argot. Et malheureusement, je n'avais pas réussi parce que je n'avais pas trop compris ce que je devais faire. Enfin, mis à part le fait que je devais trouver la bonne combinaison, mais bon, j'étais un peu paniquée, donc du coup. J'ai pas su trouver la bonne combinaison. Mais heureusement, mon baboon m'a aidé à trouver la bonne combinaison. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais pouvoir enfin trouver cette clé qui pourra permettre de libérer notre ami Wally emprisonné. Donc, normalement, on doit trouver une tête avec une côte et une hanche. Si je me trompe pas. Normalement, ça doit être celle-ci. Donc, on va tirer. Enfin, on va pousser. Ah, je pense qu'on doit être sur la bonne voie. Puisque la dernière fois, j'avais trouvé un peu n'importe quoi. Donc, normalement, maintenant, je crois que c'est celle-ci. Donc, vous avez vu que c'est pas du tout les mêmes combinaisons quand on réutilise. La porte qu'on vient d'utiliser. Donc, oui, normalement c'est celle-ci. Et donc, bon, comme c'est le dernier, on n'a pas trop le choix. Donc, nous voici arrivés à la fameuse forteresse. Donc, on va ouvrir. That is one huge door. Oui, Guybrush, on sait que c'est une énorme broche. Tu veux m'ouvrir cette porte, Guybrush? Donc apparemment, voilà. Donc nous sommes arrivés et nous devons récupérer la clé qui est ici. Donc on va la prendre. Et c'était trop facile. Donc on s'est fait avoir. Et apparemment, notre ami Luchek vient rendre une petite visite pour nous faire voir, oui, qui nous a attrapés. I have searched every island, sailed every sea. Oui, on sait. But now, you are mine. On s'est fait avoir. What do you have to say for yourself? Pas grand-chose, malheureusement. Je vais être méchante avec lui, je vais lui dire d'arrêter de m'envoyer des crachats sur le visage. Take Guybrush down to the torture chamber. Oh, les pauvres. And get the machine set up. Yes, sir. Oh, les pauvres. Bon, du coup, on n'aura pas pu. Ah oui, on se retrouve prisonnier avec Wally. You be in a heap of trouble, Guybrush 3. Et on se retrouve en bas de quelque chose. Je sais pas trop à quoi ressemble la mixture. J'espère qu'ils n'ont pas l'intention de manger. There is only one thing more painful than being resurrected from the dead and crammed into a rotting body. Oui. You know what that is? On imagine. It is what is about to happen to you. À moins qu'on réussisse à se libérer avant, bien sûr. When it burns through that rope, the bag will fall on the bellows. When it is compressed, it will shoot a single lead bullet, which will ricochet off that pan, then off the shield behind me, bounce off that other shield. Mais tout un concept pour me faire tomber à l'intérieur. When it pops, it will cause that lever to fall, releasing that ratchet on the chain wheel. And sending you down into the pit of acid. Donc, normalement, je pense que je devrais pas tarder à finir Monkey Island 2, puisque je ne suis pas loin de la fin. Donc, je pense qu'il faudra encore quelques, peut-être 2 à 3 épisodes pour finir le jeu complètement. Et je commencerai Monkey Island 3. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? What happens when the bag falls on the bellows? The bellows will shoot a lead bullet into that pan. Why didn't you just shoot me when I came in?
Because we had an extra disc. Bon, bon, bon. On va lui demander ça. Where do babies come from? I'm growing tired of your stupid questions. Prepare to die. Oui, oui, c'est ça. On va essayer de se libérer pendant qu'il sort. He didn't say what he was gonna do to me. Oh, pauvre Aurélie, on va essayer de te libérer aussi. Donc, normalement, on va essayer d'utiliser la mixture qui nous avait permis de gagner le concours. Je la trouve plus. Elle est où? Donc, on doit utiliser la paille normalement avec la mixture verte. Oui, Gabe, c'est ça. Boy, this stuff makes my spit thick. Oh non. Il n'y a rien qu'on puisse faire, c'est quoi? It's a green drink in a broken glass. Non, Gaybrush. Je vais l'utiliser, cette... Ne la bois pas! This stuff makes my spit thick. Voyons. Ah, voilà. Voilà. Normalement... On doit... Oups. Normalement, si je comprends bien, on doit asperger la poêle. Hey, watch it with a spit. Oh zut. Donc c'est pas ça. Je vais voir ce qu'il dit l'indice. Oui, ça je signe. Ouais, mais j'ai pas eu le temps. D'accord. Oh, Wally, je crois qu'il se fait carrément asperger. Donc, on va essayer toutes les solutions, hein. Non, ça marche pas. Que normalement on doit bien utiliser non c'est pas celui-là la poêle pour réussir à toucher la d'accord. Bon, Gavroche n'a pas suffisamment de crachat pour le signe, donc je vais essayer. This stuff makes my spit thick. Oh non! Oh zut! Oh le pauvre! Je crois que je viens de tuer Game Rush. Horse hockey. You honestly expect me to believe you were disintegrated in acid? Sure. Well, I. And yet he was without it, looking very integrated indeed. Yes, well, that is, okay, so I embellished it a little for dramatic effect. Zumi. Do you want to try telling me what really happened? Okay, as I was saying, we were hanging over the pit of acid. Death was so close I could smell his hairy armpits. Oui, donc il faut que je trouve la solution. Cracher dans la poêle, puis cracher deux fois sur le bouclier. Je vais essayer d'asperger la poêle. Non, c'est cracheté. Puis ensuite.
deux fois sur les boucliers. Encore une fois. Ah, voilà. Je crois que là, on a réussi. Ah, je crois qu'ils ont remarqué que on s'est fait... on s'est libéré. Normalement. Ah, I bet LeChuck is really cheesed off now. Yep. Hey, Wally? Yeah? Bonne question. Donc on va utiliser le sac de la Mama Voodoo. Et normalement, il y avait des choses dedans. Ah oui, il y a des allumettes et où est-ce qu'il est ? La bombe d'amour, les allumettes. On va utiliser les allumettes. Holy skunk sweat. Ouch. Voilà. Ça va faire des beaux dégâts. Oui, c'est bien ce que je me disais. La forteresse du Chuck part en ruine. Donc on a pu réussir à se sauver et on arrive à la quatrième partie du jeu, l'île d'Inki. Donc je pense à mon avis qu'on doit y être avec Wally. J'espère qu'il lui a rien arrivé d'ailleurs et qu'il sait au moins nager. Hours later. Ah oui, donc nous sommes tout seuls. Je sais pas où a atterri Wally. Ah, il est joli. Ah, je pense que Marley doit être sur l'île, à mon avis. Donc, oui. Donc, on va ramasser la bouteille, on va la prendre. Ah, il y a aussi un verre ici. On va prendre le verre. Ah, et pied de biche aussi. Tiens, bah, autant qu'à faire, autant tout ramasser. Ah, il ressemble à... Ah bah oui, c'est Herman, notre ami Herman. Nous avons laissé la première fois sur l'île. Donc, peut-être que nous sommes revenus. Et donc, normalement, que va-t-on faire? Oui, donc, on va prendre le verre. Ah non, mais j'ai écrit le verre. Donc, ah, il y a tout... Est-ce qu'on peut ouvrir? Ah oui. Donc, on vient de prendre un biscuit. Peut-être qu'on pourra lui donner après au perroquet pour lui donner à manger. Et on va utiliser le verre. Avec l'eau. Et essayer avec cet appareil. Donc, utiliser verre. Avec l'alambic. Peut-être que ça pourra distiller ou faire un truc du genre. Pour que l'eau, voilà. Que l'eau soit buvable. Donc, normalement, maintenant, on a notre eau distillée. Et donc, maintenant, voyons ce que nous disons. D'accord. Oui, oui. Ah non, on peut pas aller par là. Peut-être que... Ah, il y a les caisses. J'ai pas vu si on pouvait... They say anchovies on the top. Non, on pourrait faire quelque chose dessus, donc on va parcourir l'île.
Voyons. Ah oui. Je sais pas du tout où nous allons. Donc apparemment nous sommes quelque part dans la jungle. Ah, il y a un sac. Est-ce qu'on peut le prendre? Non. Ah, je pense qu'on va pouvoir utiliser le pied de biche pour attraper le sac. Alors pourquoi si tu pourrais pas? C'est ce qu'il faut. C'est le seul moyen, tu n'as pas d'autres trucs pour récupérer. Non, ça n'a pas marché. Pour récupérer le sac, normalement. Non. Je vais voir ce qu'il dit l'indice. Oui, ça j'ai vu. Ah oui, donc on va utiliser d'abord le pied de biche pour casser la... I don't think I ought to do that. Ah non, c'est pas celle-là. La bouteille, voilà. Et donc, comme la bouteille était cassée, qu'il me faut quelque chose de tranchant, ça devrait pouvoir réussir à... Ah, voilà. Ah! Je me demande qui est-ce qui a mis ça là, enfin, un paquet de biscuits dans sa chaise. Ah, c'est peut-être Herman, hein, qui sait. Donc, on va prendre la boîte. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? It's instant low sodium cracker mix. Just add water. It's instant low sodium cracker mix. Just add water. Donc, on peut pas encore l'ouvrir. Oui. Je vais d'abord faire comme si plan. Je vais utiliser ça. Avec ça. Oui, donc on a obtenu plus de biscuits. Biscuits salés, enfin ce sont tous des biscuits salés, il n'y a pas de sucré. Donc on va retourner dans la jungle, enfin sur la plage. Et donner des biscuits à notre perroquet pour qu'il puisse nous indiquer où se trouve le trésor de Bego, à mon avis, puisque c'est nous sommes dans la quatrième partie. Bon, les biscuits. Allez vers l'est jusqu'au dinosaure. Il faut encore donner un biscuit. D'accord. Par précaution, pour en avoir un petit peu plus, je vais remplir le verre. Donc, maintenant... Oui, ça j'ai fait. Voyons. Je vois rien ici d'autre qu'on peut prendre. Ah, j'ai pas ouvert les...
washout like you. Oh, the heck with it. Yeah. Non, on peut pas les ouvrir. Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? Donc maintenant qu'on a donné normalement, on va devoir retourner dans la jungle. Vu qu'on est allé par là, il n'y avait pas d'autres trucs, donc on va aller à droite. Comme a dit le perroquet. Ah, il y a un... Ah oui, donc ici c'est l'étang que nous parlait le. Donc on va. I'll just take this rope off of it. Hey, it's nailed shut. Mais on peut pas l'ouvrir. Ah, mais j'ai essayé avec le pied de biche pour essayer de l'ouvrir. Comme si. Ah, voilà. Donc, on va prendre la dynamite qui pourra nous être utile. Et donc, maintenant, normalement, on va aller jusqu'à dit l'indice. Mais ça, on l'a fait. Bon. L'indice ne m'en dit pas plus. Ah oui, il avait parlé d'un buisson avec dinosaures. Donc, normalement... Voyons... Je sens que je vais me perdre dans cette jungle. Ça a l'air d'être un vrai labyrinthe. Donc on va trouver un buisson en forme de des dinos. Pardon, je me suis trompée puisque je suis retournée sur la page. Donc à droite. Peut-être ici. De toute façon, on va essayer tous les chemins. Hein. Je crois que j'étais allée par là, je suis pas sûre. Je suis allée par là. J'ai l'impression de m'engouffrer encore plus dans cette jungle. Ouais, c'est bien ça, je m'engouffre encore plus. Au pire, j'espère que je vais ressortir sur la plage. Hein. Ah, il y a un téléphone. Alors, je suis retournée sur la jungle, dans la jungle. Bon, bon, bon. Je vais réessayer à nouveau, hein. Donc, on va aller vers la droite, ça c'est sûr. J'ai déjà essayé les deux autres chemins, c'est pas ça, donc on va aller tout droit. Ouais, j'ai l'impression que c'est le même chemin que tout à l'heure. Ah, donc là nous sommes arrivés à un, ouais, un buisson, mais ça ressemble pas vraiment à un dinosaure, ça ressemble plus à un poisson. Un dauphin. On va aller par là, mais je suis pas sûre. Non. Donc on va aller de l'autre côté. Ah ben zut. Malheureusement, je pense qu'on va s'arrêter là, histoire que je retrouve le bon chemin. Et ben, j'espère que l'épisode vous a plu. Et donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt. À plus.